Au poste de marabout tenu par les équipes de SFR Réunion, les coureurs auront parcouru 49 km. La prochaine étape sera de rejoindre Cilaos en empruntant le sentier qui monte en direction du Piton des Neiges jusqu'au sommet du Kervéguen. Là-haut, les coureurs plongeront dans le cirque de Cilaos par un sentier difficile, c'est le fameux mur du Kervéguen et ses 800 mètres de descente. Au pied du mur, à bras sec, les coureurs rejoindront Cilaos en traversant le bras de Benjoin. Cilaos est l'un des postes les plus importants de la course, avec la présence de tous les corps médicaux, médecins, kinés, infirmiers et même podologues. Les coureurs quitteront la ville par le sentier des porteurs et descendront jusqu'à la cascade de Bras Rouge pour ensuite remonter jusqu'au pied du Taïbit. Commencera alors pour eux la célèbre montée du Taïbit, 800 mètres de dénivelé pour rejoindre le col, à plus de 2000 mètres d'altitude, aux portes de Mafat. La traversée de Mafat débutera avec la descente sur Marla. De l'Ilette, les coureurs auront à rejoindre ensuite le col des Bœufs, en passant par la plaine des Tamarins. Dans cette belle forêt, ils en seront à 82 km, soit l'exacte moitié du kilométrage total. Au col des Bœufs, les coureurs feront une petite incursion dans le cirque de Salazy par la route forestière et la plaine des Merles jusqu'au départ du sentier scout, où ils plongeront pour la seconde fois dans le cirque de Mafat. SFR, en chemin vers le meilleur. Altice.